Merci beaucoup. Vous étiez organisateur à BIPSI, organisateur très compétent de cette grande conférence. J'étais heureux au moins pour une raison fondamentale. C'est pour la première fois, à mon sens, que les Africains organisent une conférence internationale, panafricaine, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'initiative des Africains eux-mêmes. Alors que souvent nos conférences sur la nourriture, l'alimentation, le changement climatique, la misère, la maladie, les dettes, c'est toujours organisé par les autres. Et nous assistons là comme par manque d'initiative. Là, quand même, l'initiative vient des Africains. Il faut encourager ça. C'est comme ça qu'on prend son destin en main. Il faut réellement encourager. Deuxièmement, le sujet n'est pas banal, il est inédit. Depuis 50 ans que nous sommes indépendants, est-ce qu'on s'est occupé des archives à l'échelle continentale, hein, des manuscrits anciens? Parce qu'il y en a plein en Mauritanie, il y en a plein au Sénégal, il y en a à l'Ifan, il y en a plein à Tombouctou et dans des autres villes aussi de l'Ouest médiéval. Il y en a jusqu'au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, le nord du Nigeria, le Kenya, le Cameroun, l'écriture Njoya, sans parler de l'Éthiopie, hein, là où les monastères ont des immenses richesses d'archives, etc. Hein, l'Égypte, le Soudan, hein, le Maghreb, de façon générale, ils ont des vieux manuscrits arabes, etc. Donc c'est la première fois qu'on se réunit sur ce point très capital. Les archives sont importantes parce que ça a des traces du passé, des traces convaincantes, des traces palpables, visibles. Et on ne sait pas ce que ça contient. Alors, si on commence à stocker ces archives, à les traiter, à les numériser, à les protéger, à les exploiter et à les publier, peut-être pas tous, mais ceux qui sont pertinents, vous verrez qu'automatiquement, beaucoup de connaissances seront vraiment changées. Notre manière de connaître l'Afrique. Par exemple, j'ai été époustouflé quand il y a eu les manuscrits de Tombouctou. C'est un traité d'astronomie, hein, du 17e, 18e siècle. Un traité d'astronomie avec des graphiques, avec tout le détail nécessaire. Donc c'était déjà une science poussée. À l'université de Tombouctou, il n'y avait pas que la religion ou la poésie ou la grammaire arabe, il y avait déjà la science qui est bien sûr liée à la religion, mais en fait, il y avait la science en tant que telle, la science astronomique. Donc, c'est des choses très importantes, réellement. Je ne sais pas si vous avez eu l'idée ou comment c'est venu, mais c'est vraiment encourageant. Moi, je crois qu'il faut continuer le travail de l'écriture, parce qu'il ne s'agit pas de l'écriture, c'est aussi la pensée. La philosophie aussi est impliquée. C'est une grande invention qui a assuré beaucoup de progrès de l'humanité. Et l'Afrique n'était pas absente rien que dans ce secteur. Voilà. Donc, il faut continuer ce travail qui est très courageux, très difficile, mais il faut le faire. Ce n'est pas inutile. Ça va éveiller l'Afrique. Merci. Oui, ça dit que n'importe quel signe n'est pas l'écriture. Bon, l'écriture, c'est un signe conventionnel ou des signes conventionnels qui représentent les sons d'une langue. Par exemple, je vois des dessins, des signes là, et si je suis dans la convention, que ça signifie U, B, O, A, le regroupement me permet de lire la langue qu'ils représentent. Donc, c'est un peu la visualisation, la représentation visuelle d'une langue. Ce n'est pas n'importe quel signe. Je peux faire un signe, mais ça ne représente pas, par exemple, un signe de l'hôpital, un signe chaussée glissante. C'est des signes qui communiquent aussi, mais ce n'est pas l'écriture au sens propre. Parce que ça me dit qu'ici, il y a une indication, mais ça ne me traduit pas réellement les sons de cette langue-là. Or, l'écriture, c'est d'abord ça. Donc, c'est une convention. Alors, et puis, deuxièmement, c'est la chronologie. Il faut avoir le fait. Voici des faits qui dessinent, qui sont une langue et qu'on peut dater aujourd'hui, au carbone 14, etc. Il y a beaucoup de méthodes. Bon, le débat, c'est que ce qu'on a trouvé dans la Mésopotamie, à Sumer et de la Mésopotamie, à l'Indus, ça a été daté vers 3200.
vers 3200 avant notre ère. Et l'Égypte en donnait 3100 avant notre ère, c'est-à-dire au moins un siècle après les cunéiformes ou l'écriture de l'Indus, après un siècle. Bon, c'était dès à peu près au même moment, mais quand même il y avait l'antériorité de la Mésopotamie. Or, le professeur allemand archéologue, égyptologue Günther, Dreyer Günther, a trouvé à Addis Abeba. Et d'ailleurs, Petri avait trouvé aussi quelques labels déjà. Il a trouvé donc des tablettes en quantité, lisibles, qui sont écritures, et il fallait les dater. Et ça nous ramène à 3400 avant notre ère. Il a publié ça à Tel Aviv, il a fait des conférences à New York. C'est daté, c'est connu, et c'est très lisible. Hein, et donc, c'est 3400, donc au moins deux siècles avant l'Indus, la Mésopotamie. Ça, c'est un fait. Bon, les gens aussi veulent ne pas reconnaître ça. Bon, on discute toujours. Mais ça, c'est un fait vérifiable. Il y a le matériel. On peut le dater, on le voit. Bon, qu'ils montrent maintenant les datations de la Mésopotamie, il n'y a pas de fait. On reste toujours sur les vieux trucs-là. Deuxièmement, une écriture peut naître, on l'utilise, et puis elle ne voyage pas. C'est entre nous, dans notre communauté. On écrit nos langues, on s'exprime, on lit, on enseigne, on fait la spiritualité ou les sciences, etc. Mais ça reste un peu circonscrit à notre communauté ou à notre nation ou à notre région. Bon, c'est le cas de l'écriture cunéiforme, pour parler de l'Occident, l'écriture cunéiforme. C'est-à-dire c'est l'écriture écrite comme des clous, en forme de clous, des pinceaux comme ça, qu'on inscrit dans l'argile. Hein, c'est dans l'argile. Or, l'argile, c'est quand même lourd à transporter. Hein, et cette écriture mésopotamienne, cunéiforme plutôt, n'est pas sortie de la Mésopotamie, c'est-à-dire du sud de l'Irak. Elle n'est pas sortie de là. Hein, on ne trouve nulle trace de cette écriture cunéiforme en Grèce, en Phénicie, en Goa, nulle part, nulle part. Donc c'est resté, c'est né là. Les Assyriens, les Babyloniens, tous ces gens ont utilisé ça, puis c'est mort. C'est mort là, l'Empire perse, c'est mort comme ça là. Tandis que l'écriture égyptienne, elle-même, elle a évolué. Elle-même a évolué. Ça dit que de la forme qu'on connaît, qu'on appelle hiéroglyphique, c'est vraiment un dessin assez compliqué, détaillé. Alors, à partir de là, je peux faire plus rapide. J'ai la cursive, le même signe, je peux l'écrire plus rapidement. C'est la cursive hiératique. Le même signe qui est déjà simplifié, je peux l'hyper-simplifier encore. C'est l'écriture démotique. C'est toujours la simplification des hiéroglyphes, des signes avec les mêmes valeurs. Bon, or, cette écriture-là, quand les peuples, disons, du Nord là, venaient exploiter les cuivres au Sinaï, avec les ouvriers égyptiens, ben, ils communiquaient avec cette écriture-là. Et les Phéniciens ont pris ça. Il y a même un texte égyptien, le pharaon voudrait faire une barque à Amon, il a envoyé quelqu'un aller chercher du bois au Liban. Donc à Tyr, Sidon, les ports, les Byblos, les ports phéniciens au Liban. Et le gars que le pharaon avait envoyé arrive finalement dans l'un des ports, le Byblos ou Sidon ou Tyr. Et il voit le prince, le chef du lieu. Mais le gars s'étonne, dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mais la civilisation est née chez vous. Hein? Qu'est-ce que vous venez chercher ici chez nous? La civilisation est née chez vous en Égypte. Donc moi, je suis surpris que vous venez encore faire des choses ici, tu vois. Un phénicien lui dit cette remarque-là. Bon, mieux que ça, les textes égyptiens et phéniciens eux-mêmes, donc écrits par les phéniciens, ce texte a été étudié par Ernest Renan, qui l'a présenté à l'Académie des inscriptions et belles lettres à Paris. Ce texte-là, qu'on appelle la Bible de Sankoniathon, qui est un phénicien, qui vivait au temps des rois séleucides, il dit que l'écriture phénicienne dérive directement de l'Égypte antique. Eux-mêmes, les phéniciens même le disent. Bon, alors, voici donc un témoignage historique.
Là-bas, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'un Allemand, Guerra, avait étudié le second le Tusona, Sonica, quoi, écrire, quoi, par les régions de là-bas, au sud de l'Angola, conjonction avec la Namibie, le Lusaka, par là-bas. Il y avait des écritures par le sable. Même l'Afrique du Sud elle-même, Indaba Malchildren, il y a beaucoup de symboles qu'on peut interpréter comme des signes graphiques d'écriture. Oui. Le continent africain est très riche, c'est qu'on n'en est pas conscient. On ne fait pas, si l'homme occidental ne fait pas, bon, on attend qu'il fasse. Bon, il fait sans trop comprendre l'environnement, le milieu, il impose ses valeurs, ses préjugés, son sentiment. Bon, et nous, avec la colonisation, l'esclavage, on a été complètement dépossédés pendant des siècles et des siècles. On ne croit pas en nous-mêmes. Et l'écriture phénicienne a donné ce que nous appelons l'alphabet grec. La forme et le fond. Quand vous dites, par exemple, alpha, mais ça ne veut rien dire en grec, ce n'est même pas un mot grec, c'est aleph. Et quand vous dites bêta, ça ne veut rien dire. C'est beit, la maison. Quand vous dites delta, là, c'est dalé. Hein? Quand vous dites gamma, c'est gimel. Hein? Lambda, c'est lamelle. Donc les noms même des lettres grecques, là, le nom, c'est des noms sémitiques, c'est des noms phéniciens. C'est aleph, arabe, etc. C'est des écritures phéniciennes. Ah, you know? Donc les Grecs, soi-disant le miracle grec, ils n'ont inventé ni les signes, ni les sons, hein, ni la valeur de ces signes-là. Et nous avons retenu ça. Au lieu de dire aleph, je prends seulement le A. Au lieu de dire bêta, je prends seulement le B. Au lieu de prendre seulement le D, le delta, je prends le D. Donc vous avez A, B, C, D. A, B, D veut dire quoi? B veut quoi? C, D, L, P, K, M, N, U. C'est simplement la première lettre de l'alphabet. Au lieu de dire Aleph, on prend seulement A. Hein? Donc, et puis d'abord, le mot alphabet, c'est quoi? Quand tu ajoutes Aleph et bêta, ça donne l'alphabet. Même le nom de l'alphabet. Tu vois? Oui, quand tu as alpha, aleph et bêta, c'est l'alphabet. C'est l'alphabet. Donc, même quand nous disons l'alphabet, ce mot n'est pas indo-européen. Tu vois? Donc, voilà. Et du coup, la Grèce a donné aux Étrusques, ça a donné à Rome. Rome nous a donné toutes les écritures que nous employons aujourd'hui. Depuis le Moyen-Âge, les onciales, etc., les formes changent. Et puis comme les chrétiens grecs ont christianisé les Slaves, et le Saint Cyril et tant d'autres, bon, ils ont amené l'écriture grecque là-bas, ça a transformé, ça a donné le cyrillique et l'écriture russe. C'est la même chose, l'écriture russe et puis leur écriture là-bas, de l'Europe orientale. Hein, voilà. Donc voilà la dissémination de l'écriture égyptienne. Je ne suis pas le premier à le dire, mais même il y a Gardiner, qui est un grand égyptologue, qui a écrit la grammaire. Il a un article sur les écritures sinaïtiques. Il dit que nous utilisons encore de nos jours l'écriture égyptienne, à travers le temps, à travers les formes, etc. Bon, ici, ils disent l'écriture linéaire ou crétoise, ou de Minos, là. Ça n'a pas donné, ça a donné quel descendant. Ça n'a rien donné, aucun descendant. Le linéaire B ou le linéaire A n'a donné aucun descendant. Mais par contre, si tu prends l'écriture hiéroglyphique égyptienne, mais tu peux le comparer avec beaucoup de systèmes africains, hein, que ce soit le Veil, que ce soit le Keple, le Loma ou le Toma, l'écriture Bambara, l'écriture Dogon. Ça, un Américain blanc fait ça. Il a comparé les signes Dogon avec les signes hiéroglyphiques, tu vois, récemment. Donc, on peut faire donc cette filiation et du coup, l'Afrique est le berceau de l'écriture. Ça se défend. Ça se tient, au moins pour cette partie-là. Maintenant, les autres ont leur écriture, les Chinois. Ça évolue aussi. Parce que j'écris le Japon, le japonais, avec l'écriture chinoise. Les Japonais n'ont pas d'écriture à eux. Ils ont appris et modifié l'écriture chinoise. Ils n'ont pas d'écriture propre à eux, les Japonais, là. C'est l'écriture chinoise. Tu vois, comme quoi ça évolue. Bon, de côté de l'Amérique latine,
les hiéroglyphes, les mayas, les dessins qu'on voit, les hiéroglyphes aussi. Ils ont inventé leur système que les Russes avaient découvert à l'époque, etc., dont on connaît maintenant la signification, on enseigne ça. Ils ont aussi inventé leurs écritures. Parce qu'il y a quelques écritures dans le monde, mais il y a des grandes zones comme ça. Or, aujourd'hui, au point de vue expansion dans l'humanité, c'est l'écriture égyptienne, pharaonique, africaine. Alors, il y a ça, l'écriture. Deuxièmement, il faut un support pour que l'écriture. Je peux écrire sur la poterie, bon, je peux écrire sur du bois, hein, je peux écrire sur la peau des animaux. Mais si tu veux faire les dialogues de Platon, il te faut combien d'animaux hein, pour tuer là, combien de moutons hein, combien de moutons. Bon, si tu veux écrire toute la Bible là, avec beaucoup de copies, la Torah, toutes ces choses-là, le Coran, un peu de chameau, mais il te faut combien de chameaux à travers le temps hein, tu vois, ou les poteries, hein, ou les bois. C'est pas commode. C'est pas du tout commode. Tu peux pas remplir tous les baobabs avec le Coran. Tu vois, c'est pas commode. Donc il fallait trouver un support plus léger, facile à transporter et facile à utiliser. Les Égyptiens ont inventé le papyrus parce qu'il pousse au bord du. Cette herbe-là qui pousse au bord du Nil. Hein, ils ont fait des nattes avec ça, ils ont fait des literies, ils ont fait des choses, du tissage. En même temps, ils ont dit que ils ont pu fabriquer le papier, c'est-à-dire le papyrus. C'est-à-dire que tu peux recevoir l'encre rouge, l'encre noire, si tu peux rouler ça, d'où les rouleaux, quoi, les rouleaux de papyrus, tu peux transporter ça, etc. Donc, il y a eu un grand commerce dans la Méditerranée de cette affaire-là, du papyrus égyptien. S'il n'y avait pas le papyrus égyptien, on n'aurait pas Platon, on n'aurait pas Aristote, on n'aurait pas les saints Augustin, tout ce qui est écrit dans les papyrus, les saints Thomas, les saints Augustin, on n'aurait pas ça. Comment ils auraient écrit ça en argile ou sur du bois, tout saint Augustin, quelle poterie. Hein? Donc voilà le papyrus. Mais le papyrus sera remplacé par le papier. Hein? Le papier, c'est une invention chinoise et qui va gagner après 14 siècles, pardon, l'Occident à travers les Arabes par l'Espagne. Voilà, par l'Espagne. Comme l'imprimerie d'ailleurs. Parce que l'Europe, en fait, a copié la boussole, la poudre à canon, beaucoup de choses comme ça. Mais ils ne reconnaissent pas ça, qu'ils doivent aussi à d'autres civilisations, que l'humanité se partage les inventions utiles au progrès de l'humanité. Que les Noirs peuvent inventer, les Jaunes peuvent inventer, les Chinois peuvent, les Européens aussi peuvent inventer. Mais ils reconnaissent, ils ont le monopole absolu hein, de l'invention, alors qu'ils ont copié aussi ailleurs, chez les Arabes, etc. Mais qui a créé les premières universités en Europe? Quels sont les créateurs des premières universités, l'enseignement supérieur, là où on enseigne? Qui a créé ça en Europe? Les premières universités ne sont pas en Allemagne, ne sont pas en Finlande ou en Suède, ne sont pas en Angleterre, sont au sud, ne sont même pas en France, sont au sud, en Espagne. En Espagne, les Cordoba, Cordoue, Séville, etc. Les Arabes venant de Bagdad ont disséminé ont conquis pendant des siècles la péninsule ibérique. Il y a eu des gens comme Averroès, hein, comme Avicenne. On enseignait le canon de médecine d'Avicenne en Hollande jusqu'au XVIIe siècle. Hein, on enseignait ça. Voyez-vous, donc, c'est des choses extraordinaires, quoi. Alors,